en paix en attendant de revenir parmi nous. Que ta nouvelle vie soit douce et heureuse, père. Qu'est-ce qu'il y a de beau par ici? Oh, de nouveaux habits! Chouette! Il faut se lancer à la poursuite des lézards tant que les traces sont encore fraîches. Le repère de Mumra se trouve au-delà de la mer de sable. C'est un sacré voyage qui nous attend. Mumra? Jaga nous a conseillé de retrouver d'abord le livre des présages. Ce sont les dernières paroles qu'il nous a adressées. Le livre peut attendre, ça fait des siècles qu'on le cherche. Mais c'est le seul moyen d'obtenir les réponses que nous cherchons. Les réponses? Je sais déjà qui a détruit notre cité et tué notre père, le roi. De quelle autre réponse as-tu besoin? Si c'était l'un d'entre nous sur ce bûcher funéraire, père aurait déjà déniché ce démon. Je tiens à lui rendre justice, moi aussi. Je vois que tu es en colère, Lion Haut. Oui, et j'ose espérer ne pas être le seul. Nous partons à la recherche de Mumra. Immédiatement, c'est un ordre. Tu es le roi à présent. Que des babioles. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'en crois pas mes yeux. Les princes Lion Haut et Tigro arrivent pour nous sauver. Nous sommes Willy Cat et Willy Kid. On pensait être les seuls survivants. On peut peut-être se joindre à vous en attendant d'arriver là où on va, à Eldara, la cité des trésors. Jamais entendu parler. Normal, je suis le seul à avoir la preuve de son existence. C'est non. S'il vous plaît. On ne peut pas les abandonner ici. Nous sommes en mission pour venger notre père et tu penses avoir le temps de jouer les babysitters? Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls, Tigro. Allons-nous-en.